Merci madame. J'en profite en introduction puisque vous m'avez... Non madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé. Non. Alors... Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est madame la présidente. Je, voilà. J'utilise les termes de l'Académie française. Il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, madame le président. Avec inscription au procès verbal, vous aurez été prévenu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que la madame la présidente, c'est la femme du président. Et non, madame mais le règlement de l'Assemblée, président. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Mais si voilà. Vous montrez que dans le règlement donc, de l'Assemblée, inscription au procès verbal, avec inscription, un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Voilà, et si vous voulez, ça peut aller plus loin. Vous avez déjà eu ce débat quand vous étiez sur l'hémicycle. Vous savez qu'il nous partage, et je considère que c'est un problème honnêtement extrêmement... Enfin, vous voulez le politiser, mais c'est purement de la grammaire française. Non, je ne politise rien du tout. Soit vous avez du respect sur la présidence de séance, soit vous n'en avez pas, et là, il y a un problème. Mais je crois qu'on voilà, le règlement de notre assemblée est à portée de main. Vous pouvez le demander là. Si vous n'avez pas en permanence avec vous, vous le lisez et vous verrez. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il est marqué voilà. Qu'on doit dire Madame la Présidente. Mais enfin bon,